C'est la première fois que je vous écris, c'est sûrement la dernière aussi. Je viens de lire votre éditorial au sujet des luttes syndicales. Vous dites encore qu'on exagère, mais le sacrement, ça va faire. Car vois-tu, les temps ont changé, on est en train de s'organiser. C'est pour atteindre notre but final qu'on s'est donné notre propre journal. On est dédié, on lutte pour bâtir notre parti. Vous permettrez de vous tutoyer, comme je vous voyais pas les ouvriers. Ça sera belle pour que je dise fou, au gars comme toi qui donne des goûts. Ça t'aide de ceux qui se battent comme nous, pour à peine rejoindre les deux. Car vois-tu, les temps ont changé, on est en train de s'organiser. C'est pour atteindre notre but final qu'on s'est donné notre propre journal. On étudie, on lit, on lutte pour bâtir notre parti. À tous les jours dans ton journal, tu méprises les luttes syndicales. Tu te sers de ton torchon de papier pour essayer de nous diviser. Tu penses bien sûr que les ouvriers sont pas capables de juger. Car vois-tu, les temps ont changé, on est en train de s'organiser. C'est pour atteindre notre but final qu'on s'est donné notre propre journal. On étudie, on lutte, on lit, on lutte pour bâtir notre parti. Chez Baxter, comme ça des années, les postes pouvaient être rassurés. En contrôlant les masses médias, ils contrôlaient le prolétariat. On pensait même que ton salaire grossit en même temps que notre misère. On étudie, on lit, on lutte pour bâtir notre parti. Je pourrais écrire bien plus longtemps, c'est pas la peine, je perdrai mon temps. Je sais bien que tu vas pas me publier, tu perdrais trop de publicité. Les capitalistes, tes bons amis, ont besoin de ton hypocrisie. Car vois-tu, les temps ont changé, on est en train de s'organiser. C'est pour atteindre notre but final qu'on s'est donné notre propre journal. On étudie, on lit, on lutte pour bâtir notre parti. On étudie, on lit, on lutte pour bâtir notre parti.